Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolet. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, chaque soir, je ne sais pas quand est-ce que vous me regardez, à quelle heure vous me regardez, où vous me regardez, mais je sais que vous êtes nombreux à aimer ce que nous faisons et à me regarder. Quand je me présente devant vous, j'ai l'habitude de dire Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout, surtout, notre manière à nous de les exprimer. Je suis très heureux de vous retrouver. Ça fait une semaine que je n'étais pas avec vous. Ça fait une semaine que je n'étais pas avec vous. J'ai reçu des messages, des coups de fil, des appels. Non, j'étais tout simplement occupé. J'étais en train de passer des examens. Parce que je suis en train de faire... je suis en train de... Ça fait toujours plaisir d'ajouter un peu de connaissances dans ce qu'on a. Et de profiter de toutes les occasions et de renforcer ses capacités intellectuelles. Mon Ibiso, tout au donc on sait un peu les opportunités qu'on a et quand on a toujours la possibilité de se remettre debout, on se remet debout, on va étudier, on renforce les capacités. Ça fait toujours plaisir, ça fait toujours plaisir. Donc ça faisait que j'étais tellement occupé à ça que je n'ai pas pu être en direct ou en contact avec vous. Donc ça fait une semaine, je regardais sur mon compte. La dernière fois que j'étais en émission avec vous, c'était le samedi. Donc aujourd'hui encore, nous sommes samedi. Cela fait exactement une semaine que j'étais absent. Mais croyez-moi, c'était vraiment pour des raisons indépendantes à ma propre bonne volonté. J'ai toujours dit, Nalomanabino, à Kinshasa, j'étais une sorte de petit patron avec un bureau, avec un grand plateau. Je venais dans mon bureau, j'entrais, mon personnel, j'en avais quand même une bonne dizaine, hein, 12, je ne sais pas moi, une quinzaine de personnes qui travaillaient pour mon compte, qui travaillaient avec moi. Et ils savaient que là, on m'appelait président. Oui, aujourd'hui, à quelle façon on m'appelle président? Président, pourquoi? C'est un surnom que j'ai reçu quand j'étais président de la délégation syndicale des agents de Digital Congo. Et c'est un sobriquet ou un nom, je sais pas moi, ou une appellation, appelons ça comme ça, une appellation qui m'est restée attachée parce qu'à l'époque, je passais beaucoup dans des médias dans ma casquette des présidents de la délégation syndicale des Digital Congo. Donc, quand j'ai décidé de lancer ce mouvement de grève qui a fait que les Banamoura, comme on les appelait à l'époque, viennent tirer en l'air pour nous disperser parce qu'on avait des arriérés des salaires à l'époque à Digital Congo. Ça faisait que le combat était à la fois sur le plan de la mobilisation et surtout sur le plan de la communication. J'étais obligé de temps en temps, et souvent d'ailleurs, de me retrouver sur le plateau des télévisions pour défendre les agents qui croyaient en moi à cette époque-là. Et je venais donc dans ces plateaux-là, dans ces différentes interventions, comme président de la délégation syndicale des agents des Digital Congo. C'est comme ça que cette appellation-là de président, président, vous êtes donc, ne soyez pas étonnés un jour sur vous, président, président. Bon, c'est peut-être prémonitoire, je ne sais pas, qui sait, peut-être que je serai aussi président de la République démocratique du Congo. Est-ce que j'ai des ambitions d'être président de la République? Laissez-moi fouiller un peu dans mon cerveau. Je sais pas. Je ne sais pas. Ben, qui sait, peut-être que ça va me rattraper un jour. Et bon, on a dit, pourquoi je suis président de la République? Non, mais je reste convaincu que si on a un peu de volonté,
juste un peu de volonté, juste un peu d'amour, un peu, juste un peu d'amour pour le Congo et un peu de volonté, nous pouvons déplacer les montagnes. Nous pouvons vraiment déplacer les montagnes s'il advenait que nous ayons la conscience, la volonté et l'amour, l'amour du prochain, l'amour de ce pays-là, la capacité à s'oublier, la capacité à ne pas se servir, mais plutôt à prendre de la hauteur pour regarder la souffrance des uns et des autres et servir. Moi, je ne peux pas m'imaginer aujourd'hui, par exemple, que vous ayez un homme comme Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui détourne des centaines de millions de dollars, je parle de millions de dollars, mais il est allé dans les villages de son père, à Kabeyaka Mwanga. J'ai vu sur les images les femmes qui faisaient 12, 15 kilomètres pour aller trouver un puits et prendre de l'eau. Nous sommes en plein 21e siècle. Comment je peux reprendre mon avion, rentrer à Kinshasa, être à l'aise et le lendemain aller boire dans une fête avec une telle image? Comment tu peux respirer? Parce que quand je regardais les images, peut-être que je suis un peu plus sensible que lui. C'est comme ça que j'ai dit, peut-être que j'ai... Je vous dis, j'étais malheureux, j'étais en larmes. Tu vois une certaine, la réalité. Mes amis, on souffre au Congo. On souffre au Congo. Ce matin, j'étais en train de regarder un reportage qui m'a vraiment fondu le cœur. Je crois que c'est David Sala qui a tourné ça. Je vais vous mettre ça peut-être dans ma prochaine émission. On est allé filmer une famille, je crois, sur une Akintsen, sur Soko Wapi. La maman là a réussi à voir moi Kabou la foufou. Comme il n'y avait rien à manger avec, l'homme qui a mis l'eau dans coco, je vais aller au cocoti sur coco. Alors, bake babu akeya buki yango. Abimisi yango na kati ya nini wana, donc abimisi mai wana ya kokoti wana bachongo na kati ya nzungu ache abaksi mungu azi kokoti wana akati 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 ache atokisi apesi bane ba olela fufu. Et moi je regardais ce reportage, j'étais malheureux. Je me dis, mais comment est-ce que les gens qui sont là n'arrivent pas à se mouvoir autant dans la tristesse quand ils voient les réalités, les réalités douloureuses qui caractérisent la vie dans ce pays-là. C'est comme ça que j'ai dit, peut-être que Nzambasala batuna batuna ndenge na bango, peut-être que je sais pas si on commet la place ou on dirait kindoki, on dirait un voutuma yaka. C'est comme ça que quelqu'un disait, j'ai l'habitude de le répéter ici, l'ivresse du lait est plus dangereuse que l'ivresse yamasanga. Muta meli lotoko sora lango lotoko abosa na nzela ndakuta yeba ke na fandakana Kingabwa numéro 37 et dans la commune à Ngiringiri, na fandagana Kikweta numéro Boye et dans la commune à Makala, na fandagana Timasi numéro 47 et dans la Bandalungwa kota Bisengo, na fandagana Luango et dans la Bandal Sinkin. Donc wana akuyé babanzela kotambula. Na fandagana Kindongolo si numéro hôtel et dans la Kan Christeron à Kasavubu. Kan Christeron à Kasavubu. Na femme na fandagana tel endroit. Akozonga, malgré ma sangane, malgré Zokoya, mais Arobo Sanzelate, mais Moutou Oyo, à langue miliki. Aro fan à Bruxelles, Aro mena ma sangane, l'okote. Aro zo chance a commis, ba milieu bandiko Koya. Et tali, ivresse ya miliki, et elle sera plus dangereuse que ivresse ya masanga. Donc il va falloir que tout le monde soit bateau parce qu'on va être responsable. Donc il y a des choses dans mon cas sur le lobby, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Beta tourna maman et mon égo roule là. Beta tourna parquet à Gombe. Beta tourna parquet à Kinkole. Beta tourna parquet à Matete. Nazoeba, bien avant que je ne parte ici, petit nangai Patrick Lokala, mon jeune frère Patrick Lokala, Bakanga Kaye. Nanani na parke wana ya matete wana et Kalula, comme il aime bien arrêter les gens n'importe comment, le fameux procureur qui a d'ailleurs et qui avait à son temps sur ordre de politique des gens qui ne se respectent pas,
des gens qui se laissent manipuler par les politiques et qui n'ont aucun charisme, aucun respect pour le travail qu'ils font. Quand lui l'avait arrêté dans son parquet là, le parquet, comment ça s'appelle? Parquet, au niveau du parquet, il y a Matete, ils en ont limité la deuxième rue. Alors, le jeune homme m'avait fait quand même plusieurs temps là-bas. Comme moi, j'étudiais à limité à l'ULK, je faisais mes... J'aime tellement les droits. Après ma licence en journalisme, j'ai repris mes études de droit. Donc, à chaque fois que je revenais des cours à la faculté des droits de l'ULK, j'avais l'habitude de faire escale là-bas, la nuit, 20h, un peu plus d'ailleurs, parce que je finissais mes cours à 20h. J'arrêtais là, sur le Anaba Pollution, dans la côte, dans la Migo Kotalaï. Mais mon frère, vous pouvez pleurer. Au moins, la condition, si Miba, Liba, Naba Ali, incarcéré, on le dit, mais Zambalola. Zambalola. Mais ce qui fait mal, c'est que ceux qui arrivent au pouvoir oublient tout ça. Oublient totalement tout ça, quoi. Zamba Sunga Biso, Biso Morotomi Sunga. Parce que moi, je n'aime pas trop renvoyer les gens au Nzamba Kosala. Nzamba Kosala. Il va falloir que tout ait une distraction à Nzamba Kosala. Ce qui Nzamba fera ça à la place de Biso, Kosamba la Otobanda, Kosamba la Bande, Kometouan à niveau Tozate. Moi, je n'interdis pas aux gens de prier. Mais je ne pense pas que Nzamba fois Kitana, c'est à Osa à la place de Biso. Regardez ce qui se passe, par exemple. Dieu a choisi Israël. Nzambe a pona Israël. Namo kilmo mande toz al araboué. Le seul pays physique où ba chrétien ba yebi Nzamba pona et abi Dieu a jeté son dévolu sur Israël. Il a dit à Israël, voici je te donne la terre promise. Mais Dieu n'est pas descendu pour aller donner aux Israélites la terre promise. Israël s'est battu. Et jusqu'aujourd'hui, Israël, qui est supposé être le pays choisi par Dieu, se bat. Dieu a donné à Israël la terre, mais Dieu n'est pas venu se battre pour Israël. Lélo, Israël, Bazan Abana, sont aux communes à 16, 17, 18 ans, au quotidien, formation militaire, réserviste. Chaque jour, ils travaillent pour renforcer leur armée. Mais ici, on vous endort. Ici, on est en train de vous endormir, mes frères. Des charlatans se réveillent un matin, affamés, sans aucune idéologie, sans aucune pensée, ils viennent et vous disent, Nzambarousal, combien de fois on nous a amenés dans le stade des martyrs? Après, Denis Lessier est venu vous dire que Bilobando me m'amène dans le stade des martyrs, on a dit Bilobalokuta. Les gens allaient prendre l'argent, et derrière l'argent, ils étaient en train de s'accrocher, Baroko Sabatouke Nzambalobi. On nous a fait faire des repentances dans ce pays. Bah, je vois même sur la repentance na Mbokao. Tokena na ngwapi. Que des charlatans ba koti ba lati ba col pastoral ba escro ba côté de na kat église. Ba escro ba côté na kat église. Que des charlatans. Des gens qui ont besoin de gagner l'argent un peu plus facilement. Bazu Félix Tshisekedi balali balamu ki balobi ono bopé sa Félix Tshisekedi yakindo dédié mboka na maboko nzambe. Bazu ba pesi akia kangimiso nzambe to dédié au Congo to... et ils ont fait croire aux Congolais, ils nous ont fait croire que le simple fait que Félix a dédié mboka na maboko nzambe mboke kubunga. Mais banda ba dédié à Congo na maboko nzambe. Congo est compliqué biso lisusu vie ko sakanati. Ba bosani ke nzambe ye mora loba. Que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Sacrifice à Congo, beaucoup de pas nzambe, mais n'a qu'on paye ça. Moutoua simbi mokazo ko escroqué ango. Moutoua zi corruption frappe à Tchéna ville. Yé moussala na ebanda comme président de la République. Frappe na frappe. Azu jouissance à Tchéna Boso. A escroqué ba maman na rama. A escroqué bisombongo. A yibi bisombongo. Moi, je suis à Tangate, je suis à camarade, je suis à commissaire, je suis à banane, je suis à commissaire, je suis à PC. Tout ça, c'est ce que la Bible dit. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et vous, vous avez cru que le fait que Félix Ake a dédié dans ma boucle en Zambe, n'est pas un rabango. Oko Bundi Saye, Oko Longa Yete, a dédié en boucle dans ma boucle en Zambe. Qui a dédié en boucle dans ma boucle en Zambe? Nzambe Zaragi Wana? Qui vous a dit que Dieu était là? Mais la conséquence, elle est là. Faisons le point.
Banda Félix a dédié Mboka. Mboka ya sous poutoulou. Zam. Donc, appelle ça Mboka dans ma boka. Ba démon. Ya Dieu maman. Appelle ça Mboka dans ma boka. Maman. Bobo sanate avant dédié Mboka. M23 à la guité. A dédié Mboka M23 côté. L'élo va fonctionner. Ba foutre à maté. Assis sur ma réserve d'échange à papi yango. A zubi sur ma monga ba ram. A zubi ma monga ba 100 jours à pandi yango. Si, état de siège est en train de dédier. On a béni de dédier. Donc, arrêtons de nous distraire. Aujourd'hui, montez, descendez. Parmi les gens qui ont mis la distraction, les pasteurs, il faut tout fouler. Il y en a que des faux. Donc, ça, d'ailleurs, ça confirme. Il y a des gens qui ont mis la distraction. Je ne sais pas pourquoi je suis allé sur ce terrain-là. J'ai suivi hier un petit frère à moi qui est à Paris. M'a envoyé un extrait. J'ai rigolé net na souba. Il y a pasteur Morobo. Bandewa régi bolugelanga yo na pasteur na zoba makambu ya. Ya nani ya comment dire nani. Ya Gédéon. Le pasteur était en train d'expliquer la voyance et la voyance et la prophétie. Mais je me suis dit mais ce toligni mboka il faut tof kotano na mila ba pasteur. Azu verset biblique moro bande lobi na lane na batobata langa na page batala kiango na seki na niveau osakanati. Écoutez ce que ce jeune pasteur là est en train de dire. C'est à ce moment là que vous allez comprendre que ma pasteur na église il faut to kanga kanga. Écoutons d'abord ce que ce pasteur là explique et puis tozonga to continuer l'émission. So bande wa régi bois d'accord na ngai toke. Avec moi dans ma Bible, la Bible dit que mon Dieu appelle Gédéon voyant et gros. On a encore tenu mon canal en disant mais la casse dit bien avant d'avoir ouvert ma intérieur et l'homme n'a dit tout. C'est que voyance, quand le mot voyant pas, à l'intérieur de ça, il y a la voyance. La casse n'a pas besoin d'avoir été une âme où il y a des mots de loup. C'est vrai que Dieu, il était en train de parler à Gédéon. La voyance n'a pas allé au lieu de ça, Gédéon, pas juste un héros. Ça dit là, l'homme n'a dit tout, mais voyant en place. On parle de voyance, de la voyance est dimension de la vue prophétique. C'est-à-dire que Gédéon, il était en train de voir pas comme ses frères pendant ces temps de galère. C'est pour cela que Dieu il est en train d'appeler Gédéon. Tu es un voyant héros. Tu n'es pas juste un héros. Parce qu'il y a plusieurs héros. N'oubliez pas que Jacob aussi était un héros. Il n'y a pas que Moïse c'était un héros. Mais Dieu est en train de dire à Gédéon, vous êtes un voyant. Dieu est en train d'amener Gédéon dans la dimension. Merci beaucoup. Merci à nos amis qui sont de l'autre côté. Là, vous venez de suivre les soi-disant pasteurs. Ce jeune homme est allé prendre un verset biblique où la Bible parle des Gédéon. Donc, il a d'abord des problèmes de compréhension, il a des problèmes de français. Il prend ses insuffisances de français. Ndem makambo ko mona na église lelo. Boyebi Félix wana ndenga zawana. Malgré ndenga bo mamboka wana. So ba bisi bino ba niveau ba prophétie azwaka. Le Seigneur Jésus est avec toi. 1000 viendront à ta gauche, 10 000 tomberont à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Qui peut toucher à mon sein? Ils sont là avec des prophéties, des fausses prières. Personne ne peut regarder M. Tshilombo droit dans les yeux pour lui dire que ce que tu es en train de faire n'est pas bon. À l'époque, il y avait des gens comme des Michés. Pourquoi Élie a eu des problèmes dans la Bible? Parce que Élie avait la capacité de dire au roi que c'est que ça lui a une normalité. Mais aujourd'hui, vous avez des flatteurs qui se cache derrière le col pastoral pour raconter des choses. Ce jeune homme, Azupena Batouba Fandi, il va lire un verset biblique, Oye Morazo Maîtrisete, le verset de Gédéon. La Bible dit, Gédéon, vaillant héros, il a la Bible devant lui. Mais au lieu de lire vaillant héros, lui dit, Dieu a dit, voyant héros. Et il va élaborer une prédication autour d'une fausseté, d'un mensonge.
il va élaborer toute une prédication. Il va asseoir sa prédication sur base de ces mensonges-là. Voyant, Dieu avait dit, Gédéon, c'est un voyant. C'est-à-dire qu'il a la prophétie. Comme ils ont tous cet art-là, la logorée là qu'ils ont là. C'est-à-dire que la voyance, c'est quand la prophétie vient. Les escrocs. Des escrocs, mes chers frères. Qui sont en train de nous endormir. Les envoyés du diable. Qui sont derrière les hommes politiques. J'ai vu ici. Ben nommé Oyoyo Tshibangu, John Tshibangu. Général. Il a fait la ronde de toutes les églises, John Tshibangu. Namoni yake pa Walesa, namoni yake pa Mutombo Kalombo, namoni tous au ba papa spirituel nangai, bazo tchaye ba poudre ba osambela ponaye. Mais aucun d'eux n'explique à ces messieurs-là qu'un général d'un pays en guerre ne peut pas se comporter comme lui est en train de se comporter. Il est sur tous les réseaux sociaux, dans toutes les bêtises, tu le vois, il est général d'un pays en guerre. Ake Dubaï a kangi ba photo, Amemili Benda Vimbi a kangi ba photo. Est-ce que c'est normal? Namoni bauti ko nommé Onani Peter Kazadi. Peter Kazadi est connu pour être un homme au service du mal. Un homme au service du mal. Peter Kazadi a zana maboko na makila ya mwasi ya greffier ya Lubumbashi kufaki pour Peter Kangi apesa ordre bakanga mwasi naye. Peter Kazadi est utilisé par ce régime pour donner des ordres à nos magistrats et à nos procureurs. D'ailleurs, deux missions secrètes ont été données à Peter Kazadi. C'est pourquoi Félix a commis une apostolane. Comme on veut organiser les élections et qu'on sait que Félix ne gagnera pas ces élections-là, Bila Zanangouta Nalkambalo Baba Congolete, il faut prendre un homme de main, mettre au ministère de l'Intérieur de 1, parce qu'on sait que les élections, d'une certaine manière, la sécurisation, la collaboration, c'est avec le ministère de l'Intérieur, on s'assure d'avoir le contrôle de la CENI et du processus électoral avec Peter Kazadi. Deuxième élément, puisqu'il a toujours été utilisé pour donner des ordres et même dicter des verdicts aux tribunaux, on les place à cet endroit-là pour contrôler la Cour constitutionnelle unicolore que M. Tshisekedi a mise en place avec des ordres pour qu'il va proclamer le président de la République. Mais j'ai vu cet homme-là, on l'a nommé, il est allé s'agenouiller chez le pasteur Léopold Mutombo. Après, je le vois chez Moïse Mbille. Chez Mutombo, il a dit qu'il était fils de Mutombo. Après, il est encore chez Moïse Mbille. Il dit aussi qu'il est fils de Moïse Mbille. Voilà l'église. Voilà les charlatans qui sont à l'église. Et la preuve, elle est là. Voilà ce jeune homme. Qui a tout, juste un petit problème de compréhension des Français. La Bible parle, les écrits parlent des vaillants héros. Lui, il dit voyants héros. Et il fait une théorie biblique, croyant qu'il fait des révélations à cause de ça. Madame Nabo Tolé, ta Bible, on appelle ça Liliane Karoté. Liliane, on appelle ça Tine Langa, verset à Bible. Karoté est mieux que lui. Prophétesse Liliane. Madame Koutriote, non. Et ils sont comme ça, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Au fur et à mesure de cette émission, aujourd'hui, je veux revenir sur le dossier de la nationalité avec un autre charlatan, le pape du charlatanisme et l'église des réveils, l'escroc. Mukuna, vous allez voir ce qu'il a fait dans son église. Un escroc comme Pascal Mukuna. Ozoko mona ba mama, ozoko mona ba tata, ba tiki basi, ba tiki ba na ba lobi toke église, ba ke église à Mukuna. Escroc le roi Mukuna, ndumba moyibi le roi Mukuna, wana akoki pena ko za na nzambe, o pe mutaye pa ayeko sambelele, ayeko sambelele pa Mukuna. Mais tu vois les gens vraiment ba tiki ba ke Mukuna. Et ce que le lobby, ne juge pas. Qui es-tu, toi qui juges les serviteurs d'autrui? Ils vont te sortir le verset biblique de toute nature. Non. Nous devons être rigoureux avec ceux qui prétendent avoir des missions de nous conduire. Autant nous devons être rigoureux avec nos dirigeants, nous devons l'être aussi avec nos bergers. Moussa Lanzambezal et Loali s'est quitté. Voilà. Narouzong et Nassouma, mon pasteur. Tant on a l'Obama, il y a Congolité et tout ça. Donc, je suis très, très heureux de vous retrouver. Tout ça, samedi, Lélo, c'est la fin de la semaine. Je ne sais pas comment est-ce que je suis parti comme ça. Oui, puis, conseil, dans la fin de semaine, je dis toujours, allez dans le bruit,
allez décompresser, mais s'il vous plaît, les bruits responsables, c'est se respecter soi-même, mais c'est aussi respecter les autres. Aller dans le bruit responsable, c'est-à-dire, bah, bruit oyo, et que cause bino, bah, torté, et puis, et que cause autrui torté. Donc, voilà ce que je veux vraiment vous demander. Bon week-end à vous tous, nous sommes samedi aujourd'hui. C'est normal, la semaine a été chargée, la semaine a été longue, donc c'est tout à fait normal qu'on puisse prendre un peu le temps de décompresser. Mais si vous allez boire, s'il vous plaît, l'alcool n'est pas compatible avec la conduite, avec les volants, donc faites attention à vous. Donc faites attention à vous et faites aussi attention aux autres. Voilà, Blokomi Balé. Et l'Oralibosso, la Nguyen Aloba, Boebi Principe, s'il vous plaît, regardez la personne qui est à côté de vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous très sincèrement. Je regardais avant de commencer cette émission. Nous sommes à 83 300 abonnés. Waouh! Merci beaucoup à vous. Bah, évangéliste Nangai, des gens qui prêchent en faveur de CPL Télévision. Donc nous sommes à 93 300 abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, si la personne... Non, 93 400 même. Voilà, ça c'est une très bonne chose. 93 400. Ça va nous faire énormément plaisir et ça va nous faire énormément de bien. La deuxième chose que je voudrais vraiment la main sur le cœur vous demander, c'est de pouvoir aimer la vidéo que vous êtes en train de regarder. Si vous aimez cette vidéo, si vous appréciez le travail que nous faisons, vous battez la biseau, vous protégez la biseau en aimant cette vidéo et en la partageant massivement. La troisième chose que je voudrais vraiment vous demander la main sur le cœur, c'est d'appeler notre amie Judith Londole, Betoko, Betokos, Betokolilo, Moulatisikitoko, Bilambakitoko, Yemorokitoko. Judith est notre partenaire très très privilégié. Elle est donc responsable d'une maison d'habillement homme qui s'appelle Londoloise. Elle a ma veste, ma chaussure, ma cravate, ma montre, ma chemise, ma cinglée, ma sous-vêtement. Tout ce qui concerne l'habillement homme n'a qu'une seule adresse, c'est Judith Londole Betoko. Là, on est en train de vous regarder, de vous montrer quelques pièces qui sont disponibles dans la boutique La Londoloise. Ce bowling à Abisso, s'il vous plaît, témoignez votre amour en appelant notre ami Judith Londole Betoko, en commandant toutes les vestes que vous êtes en train de voir. Les abas smoking, les abas veste simple, la veste normale. Et dites-lui que vous appelez parce que vous avez regardé chez Perrault Louara et que vous voulez commander des vestes. Ça nous fera énormément plaisir et ça nous fera énormément de bien. Allez, voilà. Aujourd'hui, je suis venu pour que Tolbe Tamasolomi Balé Misato sur un certain nombre de choses. Je ne vais pas les énoncer, mais c'est tellement important. Restez branchés sur nous. Les traces sont déjà dans l'intitulé de l'émission. Tokobe Tamasolo Amboka, Nagoya, comme d'habitude, Nakope Samakanis Nangai, le Lenge Nanga Romona Makambo, par rapport à Nenge Makambo Tambo à la Congo, ce n'est que mon point de vue. Et puis, Tobundate, Tobimisanaba Melite, Nalikambota, le point de vue. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Gunangai, O Lingango, Tolingango, Tea Gunangai, Nala Linga couleur et à bleu, Suyo Linga et à rouge, Nzamba Pambolayo. Donc, j'ai vu un député que je connais très bien, Boris Boukou, c'est un grand frère en vue avec qui je parle bien, qui propose que tout ça, la loi Mokoboué, il a dit ça du haut de la tribune de l'Assemblée nationale. Il prêchait pour que tout ça la loi pour condamner Batou au Baliaka Bachien de compagnie. Nakosala, allo, Sepel, je crois si pas lundi, mardi, Torozong et la Maramouana, parce que bon, comme on a zongi, semaine au pénal, photo, tout ça soit allo Sepel, moi il faut Batou Batika Batbalia, moi tout va condamner Bordon dans Lukabate, moi on a trop changé la semaine, et Zoya parmi ce jeune soit le Sepel, qu'est-ce que vous en pensez? Mais beaucoup estiment qu'il faut pas condamner Batou, n'a pas grosse peine, Batou Bagolia, moi n'a pas niaou. On ne peut pas manger les chiens, on ne peut pas manger le chat, parce que Bali est animal de compagnie. Il appelle à la mise en place d'une loi avec des peines. Il y a ma casse pour décourager Bato Baliaraba moi, Nabato Baliaraba Niao. Namoni polémique et bandit. Et j'ai vu quelqu'un que je connais aussi très bien, l'abbé Blaise Kanda, qui lui est abbé en Mbujimaï. Il est prêtre à. Ah, bah, ben, on est dans la diocèse à Mbujimaï. Bon, on a une réponse à Pessa qui est une ancienne vidéo, mais qui revient dans le contexte. À l'époque aussi, on a dit que tellement de bateaux, on a dit que les gens auront 30 secondes.
continue l'émission. On va suivre. Viens ici, il mange le chien. Nous avons mangé ça dans ta bouche. C'est dans notre bouche. C'est dans notre ventre. Laisse-nous manger le chien. Oh, le chien, c'est l'ami de l'homme. Entre le chien qui passe la nuit dehors et la poule qui passe la nuit dehors, qui est plus ami? Mais tu manges la poule, non? Dis aussi que le cangrela est ton ami. Il passe aussi la nuit avec toi dans la maison. Dieu a créé toutes ces choses pour que nous en jouissions. Vous mangez les serpents, nous mangeons les chiens. Et le serpent, c'est le symbole du diable. Boutolanda Biblaise Kanda, un gars très brillant, c'était un de mes meilleurs invités sur le plan de la science, hein, quand je faisais encore l'émission Chemin de la Vérité à Digital Congo, où je faisais des débats spirituels sur des questions liées à la foi, à la spiritualité. Et je me rappelle toujours que parmi les débats qui me sont restés en tête, une fois j'avais fait un débat entre l'abbé Blaise Kanda et les pasteurs Pierre Cass, ceux qui 13 et ceux qui 14. Donc c'était houleux, c'était bien, c'était réfléchi, c'était posé. Donc c'est quelqu'un que je connais. Alors là, il répond d'une certaine manière à l'obi. Biso tolière à moi, tolière à on a mon abiso moko. Tozolière on a le moumouna binoté. Bino bolière à bilo, monsieur Subiso peut tolière mon abilo, on a biso. Et tali binoté. Oh, moi, le chien, c'est l'ami de l'homme. À l'obi, soso, ala la akoutou nandaku. Balia raye, moi goutou ala la alibanda. J'ai vu la polémique monter. Pourquoi j'ai décidé d'en parler? J'ai décidé d'en parler parce que j'ai aussi vu que ce débat a commencé à prendre des allures discriminatoires, où on est en train de stigmatiser un peuple, une tribu. Liliane, Judith Londolé, Vincent Blaise, Loukemi, Kikwit Loukemi, Nanou la princesse, Victor Levo, Victorine Levo, Bose Bele. Est-ce que nous devons interdire Batoubali Amboa Naniao? Quel est votre point de vue? Devons-nous interdire officiellement que Batoubali Amboa Naniao? Est-ce que Kolia Amboa Naniao Yamabe? C'est un débat qui fait rire. Mais j'ai décidé d'amener ça sur la table pour... Vous savez, parfois, Batouba Kabouanana, moi, Blo Mouramike, et c'est que ça Batoué, et qu'on m'y sape mon boulot, et créer une stigmatisation, le bien créer Bitumba, le bien qui va te faire comme Boundé, le bien comme Soane Lango. J'aimerais un peu avoir vos points de vue. Topé qui ça va tout coller à moi, Toté. Vous savez, un jour, j'étais dans mes cours. J'ai un professeur qui est entré avec mon petit anglais. Il parlait des repas. Alors, il pose une question sur les habitudes alimentaires. Sur les habitudes alimentaires. Et il dit, « Is it possible to eat monkey ?» Il représentait macaco, le singe. J'ai commis l'imprudence de ma vie ce jour-là dans l'auditoire de dire « Oh yes, very, very tasty monkey !» Mais mes frères, on était prêts à m'enterrer. On était prêts à m'enterrer. C'était un scandale ce jour-là et je me suis senti... C'est-à-dire que les gens étaient scandalisés d'apprendre que sur la terre des hommes, ils en ont moutalier à macaco. Et moi, c'est ce jour-là que je me suis dit, au moins, il y a mon kili. Moi, maîtrise les alakas. On a posé juste une question simple. Comme c'était dans une sorte de séminaire, on discutait de tout et de rien. Et le nom des chiens sortis de comment? Il y a ma kakou bimi. Ah, ils ont dit, it's possible to eat monkey. Yes, monkey. Oh, it's very, very tasty. I like it so much. Mes chers frères, il y avait un silence de cimetière, un silence de cathédrale ces jours-là dans cet auditoire-là. Et j'étais malheureux. Les gens ne pouvaient pas croire une seule seconde que Bakogolia Makaku. Dans le contexte où j'étais là, j'ai même vu que j'avais des gens avec qui je parlais trop bien, mais qui commençaient à se méfier de moi parce que, par précipitation, j'ai expliqué qu'il allait à Makaku.
Boza, combien de tofandi atolia makaku te kongole ninu alingaka makaku te musunya makaku bachelo ngona mwanga ingai babeti ngona nani babenga onini o basara mbila babenga onini mosaka nani kongole alingaka likaku te ozolongola elongola lwa singabo obenda lwa singabo bachelo ngona na fufu moto pipi la rouge batuti bachemwa litungulu na citron ki le se kongole oya boya kokolia likaku. Mais il y a des endroits, le fait seulement que j'ai reconnu que Nalingara Makaku, j'ai eu la honte de ma vie. Les gens étaient scandalisés. Alors, ce qu'on a fait, Non, moi je mange pas les chiens. Je n'ai jamais mangé les chiens. Je n'ai jamais. Je suis kassaïen. J'en connais qui mange les chiens, qui adore. Nini Wamboa, Walouara, Nini Wamboa, Mouila Mouchikota. Ni Walouba, Walouara. Mais moi-même, personnellement, je n'ai jamais mangé les chiens. Je n'ai jamais mangé les chiens. Et voilà. Alors, j'étais en train d'expliquer ça. Pourquoi j'explique ça? J'explique ça pour que nous puissions nous respecter les uns et les autres et que nous puissions éviter que d'un débat inutile, d'un débat sans importance, que nous allions encore à nous diviser. Depuis que l'incompétent Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, la question du tribalisme a pris encore beaucoup plus d'ampleur. Que nous devons faire attention parce que d'une petite étincelle, la forêt risque de s'enflammer. De ces petits débats, de cette histoire des chiens, aujourd'hui c'est la stigmatisation, c'est des injures. Si nous ne faisons pas attention, nous pouvons embraser toute la République à cause d'un débat stérile. Moi je reste convaincu que le manger rentre dans le cadre de goût et des couleurs. On ne peut pas faire un procès aux gens par rapport à leur habitude alimentaire aussi longtemps qu'on n'est pas resté dans le cannibalisme. Les habitudes alimentaires dépendent des uns et des autres et nous ne pouvons pas ouvrir un débat là-dessus. Autant il y a des gens qui sont surpris. Comment il y en a aussi qui sont surpris de voir les autres manger les ngando. Comment on peut manger les crocodiles? Dans ma place, c'est-à-dire que les gens sont stigmatisés. Il y en a aussi qui sont surpris qu'on mange le serpent. Comment nous pouvons justifier qu'il y ait des gens qui mangent le serpent? Il y en a aussi qui sont surpris de voir Batou, Bazali Kolia, Bambembe. Ngana moni mbembe bozo longola na katsa nini ezobi misabazi me batu ba ko liango ba ko sepela lango. Devons-nous faire un procès à ces gens-là? Pas du tout. Arrêtons ces débats stériles qui met sur la place publique la stigmatisation et qui risque de nous créer des problèmes. Les jouisseurs nous ont déjà rendu un mauvais service. Le frappeur incompétent Tshisekedi a partitionné le pays. Le pays, le vouloir vivre ensemble n'existe plus. La nation entendue comme la volonté de vivre ensemble est en train de se liquéfier. Faisons attention à des débats stériles. Je reconnais que certaines pratiques peuvent choquer dans certains endroits. Moi, j'ai été scandalisé, par exemple, de voir les Kassaïens à Lubumbashi devant la place de la poste, non, on ne peut pas choquer la culture des gens. Autant c'est la liberté, mais ici dans cette culture ici, sur la place de la poste, ça peut choquer les gens. Ça aussi c'est un problème de bon sens. Autant vous pouvez manger vos chiens. Mais ne les tuez pas devant les gens parce que ça scandalise. Il y en a qui pensent que le chien, c'est le meilleur ami de l'homme.
C'est le meilleur ami de l'homme. Moi, je serais scandalisé d'être là et de voir que Bako Bomangando, d'abord, attend tabac à Pamba, il serait à Kata en tabac, Moutou, Naura, Ango, Biente. Et pourtant, il a l'air en tabac, il a l'air en Goulou, Nalingango. À combien plus forte raison, au Monimbois. Miki, viens, allez, assis-toi, il s'assoit. Va-t'en, il va. Amen, il amène. J'ai vu Bazoko Bomambo à la place de la poste dans le Lubumbashi. Ce n'est pas normal. Protégeons-nous les uns et les autres. Mais les histoires de manger là, c'est un problème de culture. On ne peut pas imposer une culture alimentaire aux gens. C'est comme les goûts et les couleurs. C'est comme les goûts et les couleurs. Urolobanangate que bleu n'est couleur à Malonga. Moi, je vous dis. On se moquait de moi parce que j'ai reconnu en public que j'ai mangé les macacos. Yes, it's very, very tasty. I like it so much. Ça m'a créé un problème. Ça m'a créé un problème et je commençais à être regardé bizarrement parce que par précipitation, on faisait un débat sur le singe. J'ai reconnu que n'allait à macaco. Non, j'ai reconnu. Nanine bota langa n'allait à macaco. Congolais ni allait à macaco. On aime les macacos. Mais il y a des cultures, il y a des endroits où on ne peut pas manger le singe. On ne peut pas manger le singe. Mais celui-là ne peut pas m'imposer, moi, d'aller à l'écouter. Donc, respectons-nous, évitons que des débats stériles nous éloignent de l'essentiel. Ne soyons pas un peuple... Comment ça s'appelle? Tous à la peuple yoté qui se base sur des choses qui n'ont aucune importance, aucune utilité. Nous sommes en train de perdre le pays à l'heure où je vous parle. L'incompétent Félix Tshisekedi a signé des accords alambiqués qui vendent le pays. Je vais en parler si je parle de l'Est de la République. La situation se dégrade chaque jour qui passe. Sur le plan économique, le pays est en banqueroute, les amis. Jusqu'au moment où je vous parle, les fonctionnaires ne sont pas payés. J'ai vu un communiqué du ministre des Finances qui appelle les particuliers à venir emprunter de l'argent au pays. Le Congo a besoin de 70 millions pour payer la facture de ses... Avec intérêt, comment ils vont payer ça? Voilà les problèmes qui nous regardent. Vous avez un incompétent au sommet de l'État. Vous avez un jouisseur qui n'a pas de vision. Voilà des débats que nous devons faire. Qui s'organisent pour se maintenir au pouvoir contre la volonté du peuple. Qui cède la République et qui est en train d'acter la balkanisation. Voilà des débats importants. Je vous dis toujours, arrêtons de nous éparpiller. L'éparpillement dans lequel nous lançons, nous tous, c'est comme le débat là ne nous apporte rien. Laissez les gens avec leur culture alimentaire, laissez aussi longtemps que ça n'enfreint pas la loi, c'est une question de culture. Bamsou baliaka makaku, bamsou baliaka mbwa, bamsou baliaka ngando, bamsou baliaka babengaoni nyoka, chacun de nous. Il est à l'aise dans sa culture. Moi, la première fois que j'ai vu Batoubaoli Mbembe, et si Kabaosa Mbembe, j'ai eu envie de vomir. Mais dans mon Ibaoli, on a l'ituma, Basali Mbembe, Basali Sauce, Baoli, on a l'ituma, je me suis dit, waouh. Je ne dis pas ça pour défendre une catégorie, non. Je ne dis pas ça parce que je suis kassayen, parce que moi-même, je suis pas mangeur de chiens. Tout déplacé, Malouanangate. J'ai dit ça parce que je trouve que ce débat nous écarte de l'essentiel et ce débat risque davantage de creuser encore fossé. Mais le conseil que je donne aux mangeurs des chiens, ne choquez pas les gens. Évitons de nous choquer entre nous. Autant, yo li agamboana yo, orokende na Lubumbashi, te na place de la poste, aux jours au katamboa moutou. Allez, nini ou en moi, hé, moi le mouloumian, quoi nous dire, hé, moi n'y yo. Là, on est chicota moua bao, mais là, chicota mounda moube, bantou ba diamboa ba, ba no malvoa, malvoa kapi. Le tokozo go melam. Ne choquons pas les gens. Que nous, li agamboa no na katandaku. Koya nango na balabalo ya ko choquer nango batute.
place de l'apôtre à Lubumbashi, ce n'est pas Ozana Simcité. Ozana rompre la langue katate. Ozakunate. Ozana nanina. Voyez-vous, excusez-moi. Donc, arrêtons ce débat, ne nous éloignons pas, concentrons-nous sur l'essentiel. Bilogo, bah on a balia kabamboa, ça pose un problème. Ça pose un problème bêtement, donc ça ne sert absolument à rien. Les amis, la politique dans le pays, c'est la rencontre des Lubumbashi. Hier, j'ai vu certains ténors de l'opposition politique se retrouver à Lubumbashi. J'ai noté dans la salle la présence de Matata Mponyo, de Moïse Katumbi Tchapwe, de Martin Fayulu Madidi, et j'ai vu aussi Delice et Sanga Impung. Les quatre étaient là-bas, ils ont signé une déclaration commune, ils ont exprimé leur intention de travailler ensemble. Je voulais commencer mes dossiers politiques avec ça, mais bien avant, suivez d'abord le compte-rendu, ou plutôt la lecture de la déclaration par Olivier Kamitatou, qui est porte-parole de Moïse Katumbi, parce que c'était à Lubumbashi, et les assises se sont tenues au siège d'ensemble pour la République de M. Katumbi. Je dirais deux, trois mots, et puis on va aller. Si la régie est d'accord avec moi, regardons ce que ces gens-là se sont dit hier, je reviendrai pour en parler. Tolanda. À quelques mois des élections. Conscient de nos droits et devoirs sacrés, fixés à l'article 63 de la Constitution pour la défense de l'intégrité territoriale face à l'agression actuelle, nous ne ménagerons aucun effort pour que la République démocratique du Congo reste unie et indivisible. Ainsi, nous exigeons 1. La désignation consensuelle des animateurs des organes de la CENI. 2. La révision de la loi électorale. 3. La recomposition de la Cour constitutionnelle. 4. La fin de l'instrumentalisation des institutions politiques, judiciaires et fiscales contre les candidats présidents. 5. La fin des arrestations arbitraires. Hommes politiques, journalistes, activistes de la société civile et la libération de tous les prisonniers politiques. La fin des tueries dans le Grand Kivu, en Ituri, dans le Grand Katanga, dans le Grand Bandundu et à l'est de Kinshasa. Amen. 7. La conduite urgente d'un audit externe des opérations d'identification et d'enrôlement en cours en vue de la production d'un fichier électoral intègre reflétant la réalité démographique de chaque circonscription électorale. 8. La présence des observateurs nationaux et internationaux pendant tout le processus électoral. Au nom de la population congolaise meurtrie, qui se sent abandonnée dans des conditions de plus en plus intenables face à des autorités congolaises qui s'enrichissent de manière scandaleuse, nous décidons d'unir nos idées et forces pour mener des actions communes en vue d'obtenir l'organisation dans les délais constitutionnels des élections transparentes, impartiales, inclusives et apaisées. Nous appelons la population congolaise à résister, à exercer une vigilance citoyenne et à ne plus assister impuissante à la déliquescence de la République et au pillage de ses ressources. Dans ce cadre, nous, signataires de la présente déclaration, nous nous engageons à demeurer solidaires dans l'unité d'idées et d'actions pour faire aboutir la lutte du peuple congolais pour un véritable état de droit
et demandons à toutes les Congolaises et à tous les Congolais, qu'ils soient au pays ou dans la diaspora, à toutes les forces politiques actives au changement, ainsi qu'à la société civile, à se mobiliser afin de prendre le destin de notre pays en main. En conséquence, une série d'actions sera mise en œuvre pour faire aboutir nos revendications qui sont l'expression du peuple congolais tout entier. La première activité sera une grande marche le 13 mai prochain à Kinshasa pour dénoncer 1. L'insécurité grandissante, 2. La richesse et la misère du peuple, 3. Le processus électoral garanti. Il s'agit de la patrie et non des individus. Que vive la République démocratique du Congo, forte, unie et indivisible. Les signataires, Martin Kayulu Madidi, président de l'ECIDE, Moïse Katumbi-Jaboué, président de l'Ensemble, Augustin Matata Konyo, président de DGD, Denis Essaga Kikungu, président de Envol. Merci à nos amis qui sont de l'autre côté de la régie. Là, vous venez donc de suivre la lecture de la déclaration qui a été faite hier à Lubumbashi, où certains leaders de l'opposition se sont retrouvés, notamment Augustin Matata Ponyo, comme je l'ai dit, Martin Fayulu, Moïse Katumbi Tshapwe et Delis Essanga. Ils ont dit un certain nombre de choses dans leur déclaration. Je vais prendre quelques points sur quelques points. Ils parlent notamment de la désignation consensuelle au niveau des animateurs de la CENI. Ils parlent de la révision de la loi électorale. Ils parlent de la récomposition de la Cour constitutionnelle. Ils appellent à la fin de l'instrumentalisation de la justice, à la fin des arrestations arbitraires des acteurs de la société civile, des journalistes. Ils appellent à la libération des prisonniers politiques. Ils appellent à la fin des tueries à Nitouri, dans le sud Kivu, plutôt dans l'est de la République, dans le Bandundu et aussi dans une partie de Kinshasa. Et ils appellent à améliorer le fichier électoral, tralala, tralala, un certain nombre de choses qui ont été, un certain nombre de choses dites au niveau de cette rencontre-là. Je vais prendre la question d'abord au niveau de la forme, avant de pouvoir aller vers le fond de cette affaire. Et puis vers la fin, peut-être, j'évoquerai un peu aussi mes attentes ou quelques ratés, entre guillemets. D'abord, au niveau de la forme, je voudrais ici, la main sur le cœur, saluer l'initiative de ces leaders d'opposition. Je voudrais aussi rappeler aux uns et aux autres que la République est en danger. Aujourd'hui, le danger auquel fait face à la République est cristallisé par un homme qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moi, je vous dis et je vous ai toujours dit que ne nous voilons pas la face. Le jouisseur, l'incompétent, le frappeur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est notre problème majeur actuellement. Félix est véritablement un danger pour le pays. Et tous les Congolais consciencieux doivent se mettre ensemble, faire bloc, pour dire à ces jouisseurs qui est là pour la jouissance, pour aller dans des fêtes, dans des matangas, que messieurs, vous mettez la République, notre avenir, notre devenir en danger, il est temps de s'arrêter. Sur le plan de la forme, le bloc affiché, rien qu'au niveau de la forme, est une question qu'il faut vraiment saluer. Au lendemain d'une organisation alambiquée, d'une soi-disant organisation de l'union sacrée, union sucrée, union salité, comme les uns et les autres, comme certains l'appellent, il était important, à mon point de vue, qu'il y ait du répondant de l'autre côté. Il était évident que de l'autre côté, on affiche aussi le rapport des forces. Et le fait que ceux-là se soient retrouvés, j'ai également vu que Mukwege devait aussi être là, mais il ne serait pas venu parce qu'il avait rendez-vous avec le président de la Confédération Suisse. Le fait que ceux de l'autre côté affichent aussi leur unité face
au semblant d'organisation affiché récemment par l'Union sacrée avec la signature de la charte, c'est quelque chose qu'il faut saluer. J'en appelle à l'unité de nous tous pour chasser Félix Tshisekedi. Lorsque la République est en danger, lorsque notre avenir comme peuple, notre devenir comme pays, comme citoyen est en danger, nous devons mettre de côté nos différends, nous devons mettre de côté nos divergences, nous devons privilégier l'intérêt suprême du pays. Et à l'heure où je vous parle, l'intérêt supérieur du pays passe par une mobilisation tous azimuts pour freiner l'incompétence, la jouissance et la frappocratie installée au sommet de notre pays par le frappeur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc je voudrais tirer mon chapeau à ceux qui se sont retrouvés à Lubumbashi. Le bloc tel qu'il s'est formé, moi, ça m'arrange et je suis totalement d'accord avec eux. Je vais aller dans le fond de ce qu'ils démontrent et je voudrais exprimer ici un certain nombre d'inquiétudes. J'ai vu que ceux qui se sont retrouvés à Lubumbashi, tous, ils ont adhéré au processus électoral lancé par Félix Tshisekedi. Tous, ils ont dit qu'ils ont besoin des élections et ils ont même dit qu'au cas où les élections ne seront pas organisées, nous devons avoir une transition sans Félix Tshisekedi. J'ai vu là-bas Martin Fayoulou et un certain nombre de gens qui disent que nous ne pouvons pas avoir une transition avec Félix Tshisekedi. Si, au terme du délai constitutionnel, nous n'avons pas des élections, le Congo doit avoir une transition, mais sans Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les choses sont claires d'une certaine manière. Mais quand je vois les revendications, je commence alors à me poser la question, si Kabila, le seul qui a refusé d'accompagner Félix Tshisekedi dans sa forfaiture des élections truquées d'avance avec un enrôlement bâclé, n'a-t-il pas raison? Si Kabila n'est-il pas plus visionnaire que nous tous? Parce que qu'est-ce que ces gens-là disent dans leur déclaration? Ils parlent de la désignation consensuelle de la Commission électorale nationale indépendante. Je suis totalement d'accord avec eux. Lors de ma dernière émission, je vous expliquais que aussi longtemps que nous aurons cette configuration au niveau de la Commission électorale nationale indépendante, comme le pseudo-professeur Matt a expliqué à son temps, que pour tricher aux élections, on met en place une CENI totalement caporalisée et aux ordres, on s'assure que cette CENI-là va publier les élections, le nom qu'on lui donnera. À côté, on met en place une cour constitutionnelle caporalisée, répondant aux ordres, pour s'assurer que les résultats frauduleux qui sortiront de la Commission électorale nationale indépendante caporalisée seront entérinés par la Commission électorale nationale indépendante. Ainsi, on s'assure de la tricherie. La configuration des choses telles qu'elles se présentent aujourd'hui, les gens ne peuvent pas s'en sortir et croire qu'un Kamuleta, que moi je considère comme un robot ngélékalien, qui répond aux ordres de Félix Tshisekedi, qu'un Denis Kadima, ancien président fédéral de l'UDPS en Afrique du Sud, peuvent donner des résultats contraires à la volonté de M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Peut-être que Kabila était visionnaire. C'est comme ça qu'il a refusé d'aller dans cette forfaiture. Maintenant, j'ai lu et j'ai vu la déclaration de nos amis de Lubumbashi, que j'encourage d'ailleurs dans le cadre de leur unité. Ils démontrent la désignation consensuelle des acteurs de la CENI, la révision de la loi électorale, la recomposition de la Cour constitutionnelle, la fin de l'instrumentalisation de la justice. Mais dans la faisabilité, je pose la question, et c'est là mon inquiétude. Comment toutes ces choses vont-elles se passer? Parce que tout en ayant une CENI caporalisée, une cour constitutionnelle caporalisée, ils ont quand même accepté d'aller se faire enrôler et d'accompagner ce processus. Maintenant que nous sommes à quelques mois seulement de l'organisation des élections, ils appellent à cette restructuration. Ça va se passer comment? Pour que nous ayons la réponse à toutes leurs demandes là, il va falloir que la classe politique se mette autour d'une même table. Sinon, par quelle magie Félix Tshisekedi va ouvrir aujourd'hui la CENI? Par quelle magie Félix Tshisekedi va aujourd'hui ouvrir la Cour constitutionnelle? Par quelle magie Félix-Antoine Tshisekedi va amener ce Parlement-là, avec des députés qu'il a débauchés chez Kabila,
à revisiter la loi électorale. Quelle est la magie? Ça ne se fera pas comme une génération spontanée, ce n'est pas de la pluie. Il va falloir que la classe politique se mette autour d'une même table. C'est comme ça que je commence à me dire, est-ce que Kabila n'avait-il pas raison? Parce que là, les revendications telles qu'égrenées par les assises de Lubumbashi vont nous amener à se retrouver autour d'une même table pour reconfigurer toutes ces choses. Et d'une certaine manière, le grand bénéficiaire, ça sera M. Félix Tshisekedi, parce qu'il n'a pas les soucis d'organiser des élections et il veut avoir son glissement. Félix a déjà commencé à travailler pour avoir un glissement. Les gens qui l'amènent maintenant à faire un passage en force, c'est Jean-Pierre Bemba et c'est Vital Kamerhe, qui lui disent qu'aujourd'hui nous sommes au pouvoir. Nous avons la force publique. Allons comme ça, les yeux fermés, nous allons imposer, organisons les élections dans ces conditions-là. Toi, là, la police, on a dit, on a loukoutou. Ce serait plus dangereux pour Félix Tshisekedi aujourd'hui de glisser plutôt que d'organiser des élections chaotiques et de s'autoproclamer président de la République, quitte à ouvrir l'espace après et de discuter en ayant déjà une couverture truquée d'une élection gagnée. Entre guillemets. Mais eux, ils ont déjà accompagné un processus frauduleux dans lequel tous ils se sont déjà engagés. Maintenant, en cours de route, ils se rendent compte qu'il y a des problèmes et ils se disent « Revisitons ». Mais vous êtes déjà dans les bateaux. Comment on peut revisiter? Est-ce que ces revendications ne viennent-elles pas en retard? Est-ce que mieux n'aurait pas été de suivre Kabila et de faire bloc avec Kabila en disant en fait Tshisekedi que ce processus est biaisé dès le départ, nous n'allons pas y aller, plutôt que d'y aller? Et une fois déjà à l'intérieur et que le bateau a déjà quitté le port, nous sommes en train de naviguer, nous sommes en pleine mer, vous vous rendez compte maintenant qu'il va falloir refaire la CENI, qu'il va falloir refaire la Cour constitutionnelle, mais vous avez déjà, d'une certaine manière, béni le processus. C'est là mon inquiétude et c'est là le problème que j'ai. Ça va se passer comment, toutes les demandes qu'ils sont en train de faire là? Dites-moi. Parce que Félix Tshisekedi ne va pas se réveiller un matin et vous dire, écoutez, quel est l'intérêt aujourd'hui pour Félix Tshisekedi de manière spontanée à revisiter les membres de la Commission électorale nationale indépendante? Quel est l'intérêt, qu'est-ce que Félix gagne aujourd'hui, comme dans une génération spontanée, à ouvrir la Cour constitutionnelle? Moi, dès le départ, je disais, est-ce que Kabila n'a pas fait une erreur en refusant justement d'adhérer? Mais aujourd'hui, la situation donne raison à Kabila. Il connaît sa créature. Kabila connaît ce que Félix est. Félix est une création de Kabila, une fabrication signée Kingakati. Quand Kabila a refusé d'aller, d'accompagner Félix Tshisekedi ici, dans un processus électoral biaisé et frauduleux d'avance, certains lui ont jeté des pierres. Mais aujourd'hui, la démode de l'opposition à Lubumbashi commence à créditer la thèse de Kabila. Donc, mieux aurait été, dès le départ, de bloquer Félix Tshisekedi, de bloquer la machine, de faire ses blocs dès le départ, en joignant peut-être la position de Kabila, en refusant d'entrer dans le bateau des élections déjà truquées d'avance, pour imposer le rapport de force et amener Félix, avant de lancer des choses et d'ouvrir, à respecter la loi. Mais on est déjà dedans. À quelques mois, on dit, non, on va refonder le processus électoral, il faut... Je me dis, ça va se passer comment? La plupart des leaders qui sont à Lubumbashi, j'ai des bons rapports avec eux, je parle avec eux, j'aimerais entrer dans leur tête. Moi, j'ai comme l'impression qu'au regard de la déclaration qui a été faite, ils sont tombés dans une sorte de piège. Ils sont rentrés dans un bateau. Ils ont crédibilisé un processus qu'ils savaient biaisé d'avance. Et là, ils sont en pleine tempête, en pleine mer. Ils réclament des choses alors que c'est déjà parti. C'est déjà parti. Qu'est-ce qu'on va faire pour la désignation consensuelle des nouveaux membres de la CENI? Parce que le gangster, la voyoucratie est déjà là. Vous avez un Didier Manara qui s'impose là-bas comme un gang, alors qu'il n'a pas été désigné.
Est-ce que Kabila n'avait pas raison? Regardons-nous en face. Parce que eux tous, ils ont accepté ce processus. La seule personne qui a refusé, c'était Joseph Kabila. Maintenant, on commence à lui donner raison. Parce que les raisons qu'ils évoquent, tout en étant déjà à l'intérieur du bateau, les raisons qu'ils évoquent, tout en ayant crédité, crédibilisé le processus électoral, ce sont les mêmes raisons que Kabila a évoquées, et ce sont ces raisons qui lui ont amené à refuser ce processus et à ne pas s'enrôler. Kabila a dit qu'il ne va pas aller aux élections, il ne va pas s'enrôler avec ces tenues-là, avec cette cour constitutionnelle-là. Katumbi, Fayulu, Matata, Sesanga, tous, ils se sont enrôlés. Maintenant, ils demandent la désignation consensuelle, la révision de la loi électorale. Ça va se passer comment? Ça va se passer comment? Ça va se passer comment? Ne prenons pas le silence de Kabila comme une faiblesse. Et le jouisseur qui est au pouvoir comprend que s'il y a un danger, c'est Kabila. La seule qui peut, d'une manière ou d'une autre, qui le veuille ou pas, qui peut même utiliser la force pour arrêter ce jouisseur qui est là, c'est son créateur. C'est son créateur. Dans ce rôle de l'unité nationale, nous devons nous organiser pour avoir le point de vue de Kabila et pour être avec lui, pour que lui soit avec tout le monde. Il va falloir que Kabila s'organise pour que le bloc là mette Bolinga Bolingate aujourd'hui. Le seul qui peut même utiliser la force, user la force pour arrêter le frappeur, le jouisseur qui est au sommet de l'État. Cet enfant de la malédiction qui est aujourd'hui en train de nous saigner. Le seul qui peut l'arrêter même par la force, c'est son créateur, son géniteur, c'est Kabila. C'est Kabila. C'est comme ça que moi je me suis permis, lors d'une de mes sorties, en disant Kabila, sauve la République, monsieur Kabila. Les j'ai vu des gens qui disent, oh, tu commences à réclamer les retours de Kabila, tu commences à faire ceci. Ne soyons pas des hypocrites. Ne soyons pas hypocrites. Tout est dynamique pour sauver la République. Nous devons nous organiser pour que Kabila soit dedans. Parce que Kabila a besoin, il peut utiliser la force pour arrêter ces jouisseurs ici. Ces frappeurs. Cet égopéta de Félix ici, la personne qui peut bien le bloquer, c'est Kabila. Mais voilà, là on se retrouve un peu je vais les appeler en descendant de cette émission pour entrer dans leur tête. Quand on nous dit qu'il faut faire ça, il faut faire ça, il faut refonder la CENI, il faut ceci, il faut cela. Je me dis, ça va se passer comment? Ça va se passer comment? Ça va se passer comment? Soit, il va falloir changer le rapport de force en faisant appel à la rue. D'ailleurs, j'ai appris qu'ils ont demandé qu'ils appellent à une marche le 13. Le 13 mai, on verra. Donc, il va falloir mettre en place un système où Félix doit comprendre qu'il perd le rapport les rapports des forces, notamment avec la rue. Ou alors, il va falloir faire appliquer l'article 64 de la Constitution. Une vraie révolution pour chasser, démanteler ces systèmes mafieux que le frappeur, dans sa philosophie du FAPROCAT, a mis en place. Mais les déclarations telles que j'ai vues, autant je salue l'idée au niveau de la forme, parce que je me dis, devant la soi-disant organisation de l'Union sacrée, avec une charte alambiquée signée de manière désordonnée, les autres forces, notamment de l'opposition, devaient aussi s'afficher en bloc. La forme me réjouit, mais le contenu, le fond, je me pose la question. Je me pose un certain nombre de questions. J'ai aussi vu les gens dire ils n'ont pas évoqué la question de la candidature unique. Je sais qu'ils vont également se rentrer dedans dans cette affaire parce que je ne vois pas moi, Martin Fayulu par exemple, il a dit que si le peuple le demandait, il va le faire. Est-ce que Martin Fayulu sera dans la possibilité où il va accepter de s'effacer pour Katumbi? Katumbi lui l'a dit, jamais il s'effacera pour personne. Ça c'est des questions qu'il va falloir régler aussi. Mais ça c'est des questions qu'on ne peut pas régler maintenant. Parce qu'il va falloir d'abord, à mon point de vue,
rendre potable le processus, s'assurer que les candidatures ne seront pas rejetées, qu'on n'aura pas des exclusions, et au terme de ça, on se mettra ensemble pour discuter éventuellement de la candidature unique, qui sera à ce moment-là d'ailleurs difficile à pouvoir sortir au regard des avis des uns et des autres. Mais déjà, dès le départ, le fond tel que moi je le vois, ça m'inquiète. Le fond tel que je le vois, ça m'inquiète. Les réclamations telles que reprises dans le papier, ça m'inquiète. Ce sont des réclamations en fait qui appellent à des joutes, des négociations, à l'ouverture des débats. Même s'ils ne le disent pas, mais en clair, ça va être ça. En clair, ça va être ça. La recomposition de la CENI, la recomposition de la Cour cautionnelle, la révision de la loi électorale. Toutes ces questions-là, ce sont des questions qui ne peuvent être réglées qu'autour d'une même table. Qu'autour d'une même table. Comment des gens qui sont déjà engagés dans un processus peuvent-ils, en cours de route, s'arrêter et attendre de cet adversaire-là qui a mis en place la tricherie, que comme dans une génération spontanée, ça s'arrange. Donc, Kabila risque d'avoir raison. Kabila risque d'avoir raison, mais on verra. Je reviendrai ici. Moi, si vous voulez avoir mon point de vue, la forme me plaît, mais le contenu, j'ai comme l'impression qu'ils se sont piégés. Ils ne peuvent pas bénir, crédibiliser un processus en y accédant et en mer, en pleine mer, commencer à demander des choses alors que vous êtes déjà rentré dans ce bateau. Donc, le plus clairvoyant était Joseph Kabila. Le plus clairvoyant était Joseph Kabila, qui dès le départ a refusé. Donc, s'ils étaient un peu plus intelligents et un peu plus sages, peut-être qu'ils auraient suivi la voie de Kabila en refusant eux tous et de manière unanime d'aller à ces processus d'enrôlement, évoquant les raisons qu'ils évoquent aujourd'hui pour bloquer la machine dès le départ et imposer un rapport de force du genre à amener Félix Tshisekedi à adhérer et à faire ces réformes-là. Mais vous, vous êtes désolidarisé, vous êtes allé et en pleine mer vous demandez. Ça me laisse quand même assez dubitatif. C'est dubitatif. Ça me laisse quand même un peu dubitatif. Mais on verra. Je vais tenter d'entrer en contact avec eux tous. Parce qu'avec eux tous, je parle. Ou avec leurs états-majors généraux. Je vais discuter avec des uns et des autres pour comprendre un peu. Mais je suis quand même assez... Je regarde ça quand même avec un œil un peu... Je suis quand même un peu dubitatif. Je voulais aborder un autre sujet, mais j'ai vu les amis, la presse là-bas au pays s'enflammer. J'ai vu dans le Gabino article. Hein. Dans le Gabino article. Depuis 2-3 jours ou une semaine, je suis en train de dénoncer une mafia financière installée au niveau du Sénat. Le Sénat est en train d'être saigné à blanc par sa questeur qui s'appelle Carole Aguito, alias Donabeja. Donabeja est la patronne d'une mafia installée au niveau de la question du Sénat qui fait pleurer les sénateurs. Les amis, j'ai dénoncé un certain nombre de choses ici. Concernant Donabeja, je vais y revenir. Mais avant-hier, le Sénat a décidé de décréter une plénière à huis clos. Ça, les plénières à huis clos, un seul sujet à la une de cette plénière-là, Perro Louara. Ils se sont organisés, Donabeja a organisé des gens qu'il a payés. Donc, Bazui Sénat, plénière Mobimba Sénat, suspendre en gros, continue à huis clos pour traiter le sujet Perro Louara avec tout ce qu'il est en train de dire dans les réseaux sociaux. Kimbuta Sa Ebisaki Bino. Ça ne sert à rien de faire des huis clos parce que tout ce que nous allons dire ici
Pardon? Ces journalistes-là le connaissent. Perrault Louard, une minute après la plénière, Perrault Louard va les dire. Mes caméras sont avec vous. Écoutez ce qu'ils se sont dit dans les huis clos. Deux temps forts. D'abord, les sénateurs qui se présentent comme étant les sénateurs du Grand Oriental. J'ai même vu leur communiqué qu'ils ont publié dans des journaux ici. Je vais vous lire certains extraits. Nantika Bangote, Donabeja, mes caméras sont là-bas chez toi. Je vais vous lire. Alors qu'il a bu nos articles et la moindre commission. Bah, je vais ça va lire Bangombo. J'ai vu les articles publiés à gauche et à droite. Attendez, je vais vous trouver certains articles et même le communiqué. Voilà. Et même les communiqués que. Je vais vous lire par exemple cet article. Les sénateurs de l'espace Grand Oriental dénoncent des propos injurieux, diffamatoires, outrageants, portant atteinte à la dignité et à l'honneur de l'honorable Carole Aguito. Écoutez ce que l'article dit. Dans une déclaration faite à Kinshasa le 13 mars dernier, les sénateurs de l'espace Grand Oriental, donc ma sénateur, madame Salon Saaté, dénoncent une fois de plus des propos diffamatoires, malveillants et injurieux proférés ces derniers jours dans les réseaux sociaux à l'encontre de l'honorable Carole Aguito, questeur du Sénat. En effet, d'aucuns d'entre nous, si pas nous tous, avons lu dans les réseaux sociaux, dont le groupe WhatsApp Sénateur.2, des propos qui portent atteinte à l'honneur et à la dignité de la questeur, propos attribués à un certain Perrault Louard. Bino, mes caméras sont là-bas. Propos attribués à un certain Perrault Louard indique le même document qui ajoute que la lecture intelligible de ses écrits ne laisse aucun doute que ces allégations fallacieuses, infondées, bêtes et mensongères est le fruit de l'irresponsabilité de certains membres de notre chambre. Et les sénateurs du Bas-Ouélé, de l'Itouri, de Haute-Ouélé, de la Tchopo se démontrent comment ne pas parler de l'irresponsabilité dans la mesure où il est de notoriété publique que la dotation du Sénat provient du trésor public et que l'honorable questeur n'exécute que le programme du bureau dans son volet financier. Les amis, j'ai vu les sénateurs en train de s'agiter au point de convoquer une plénière à huis clos me concernant. J'ai dit ceci, je vais vous publier, vous amener des éléments sur le rapport financier du Sénat. Déjà que le nouveau rapport ici est déjà prêt, il y a amené au, j'ai les éléments. Le rapport de l'année passée, j'en ai. Vous serez scandalisés de voir la manière dont Carole Aguito est en train de saigner les caisses du Sénat. Il a mis en place une mafia organisée à la question du Sénat. C'est ce que j'ai dit. Carole Aguito a perdu sa maman. Et au deuil de sa mère, Carole Aguito a distribué des pannes wax anglaises. Boye kota la yena matanga, chaque moutou wax. Vous demandez une bouteille d'eau. Aguito vous donne une bouteille de champagne avec de l'eau. Donc à la place de l'eau, on a servi du champagne na matanga maman na. En passant, sa maman est de nationalité rwandaise. Maman na yaza rwandaise. Ye Aguito ali na sena kuna. Maman ya botiye wa utiko kufa ali rwandaise. Bino batuboko lubara loi tiani. Vous savez que je ne soutiens pas cette loi là. On ne choisit pas ses parents, mais je vous informe que la maman de Aguito est une rwandaise. Moi j'ai posé la question à Aguito. Où tu as trouvé l'argent de donner des wax anglais aux gens qui viennent, des pièces de wax, aux gens qui viennent compatir avec vous, de servir des champagnes à la place de l'eau, alors que les sénateurs ont 2 mois d'impayement. Les fonctionnaires ne sont pas payés. C'est la question que je lui ai posée. 2 jours après mon tweet, Carole Aguito a commencé à distribuer à chaque sénateur 5 000 $, 5 000 $, 5 000 $. Où est-ce qu'elle a trouvé les 5 000 $ là? Et où tu wapi? C'est la question que j'ai posée.
Et je vous ai dit que ça, c'est la preuve de la mafia qu'Aguito a installée au sommet du pays. Ils m'ont organisé une plénière à huis clos avec des sénateurs corrompus. Des sénateurs corrompus à qui Donabeja a donné de l'argent. Le sénateur soi-disant du Grand Oriental. Corrompu. Pour dire, Perro Louara raconte des mensonges, raconte des... Je ne raconte pas des mensonges. Je vais vous amener par exemple la rubrique enterrement. Rubrique enterrement, Oyo, Ezaline a rapport financier à Sénat. C'est des millions, des milliers de dollars américains. Sans justifier que Oyo et Kenda Kibo Kenda. Rubrique car enterrement. Talebela Mbongo Bache. Rubrique santé. Alors que tout le monde sait qu'Aguito n'a pas payé les cliniques universitaires, Mama Yemo et les autres cliniques. Ils avaient demandé au gouvernement, les gouvernements sont-ils l'argent qu'ils ont bouffé. Mais dans le rapport, je veux venir avec des éléments ici. Le Sénat, la question, les finances du Sénat est en train d'être saignée par Donabeja. Carole Aguito Donabeja. J'ai dit que mes caméras sont avec elle. Elle a mis en place un système pour saigner. Bossa la déclaration, bossa la plénière à huis clos, je suis avec vous. Mais j'ai vu un sénateur, le sénateur Mole Kaliambi, voilà sa photo. Je crois que son nom c'est Jean de Dieu. Le sénateur que vous voyez ici hier, dans leur histoire là de huis clos, il a pris la parole Mole Kaliambi. Il dit non, écoutez, Perro là, il s'attaque à Aguito. Moi, je serais d'ailleurs content que mes enfants m'enterrent avec honneur comme Aguito a enterré sa maman. Moi, je ne refuse pas qu'Aguito enterre sa maman avec honneur. Je demande à Aguito où il a trouvé l'argent qu'il est en train de... Il joue avec l'argent alors que les fonctionnaires ne sont pas payés. Moi, je suis professeur d'université. Le sénateur Mole Kaliambi que vous voyez ici est connu au Sénat pour être tout le temps fauché. Bah, sénateur, il est tout le temps fauché et il participe à tous les mauvais coups du Sénat. À l'époque d'Alexis Thambwe Mwamba. C'est lui que Thambwe Mwamba a utilisé contre le professeur Ngondankoy. À l'époque, il était directeur de cabinet pour Benana Ngondankoy. Aujourd'hui, Ngondankoy est dircab au niveau il y a primature. Le même a été utilisé encore contre Alexis Thambwe Mwamba lui-même. Aujourd'hui, c'est Donabeja qui l'utilise moyennant des petites sommes d'argent. Mais hier, dans son intervention, Mole Kaliambi, Jean de Dieu que vous voyez ici, les sénateurs ici, il dit, c'est une question d'immoralité, les sénateurs, les collègues, ils prennent des histoires d'ici, ils vont les distribuer. C'est un avocat de Carole Aguito. Mais je vais rappeler à Mole Kaliambi ici, qu'aujourd'hui, si un forum WhatsApp du Sénat a été supprimé, c'est à cause de lui, Bandeko. Il a envoyé une vidéo pornographique, qu'il vienne me contredire, lui qui parle de la moralité, M. Moleka, que vous voyez ici. Et il est sénateur. Il a amené la pornographie au Sénat. Batouba Lamougana, groupe WhatsApp à Sénat, boy, Batali, vidéo pornographique. Il a mis des vidéos pornographiques d'un groupe WhatsApp à Sénat. Moleka Liambis. Porno. Lui qui parle de la moralité, qui attaque ses propres amis en disant qu'il va pas faire d'informations. Le scandale a fait tellement scandale que les gens étaient indignés. L'administrateur de ce groupe-là a décidé même de supprimer le forum du Sénat à cause de ce monsieur que vous voyez. Atinda ba image à porno na groupe WhatsApp à Sénat. Pourquoi on a eu la Xabino en haute Bilo quoi somme. Tata Obogomon. Azouagangouapi. Donc, lui, dans son téléphone, il a des images pornographiques. Sénateur. Et c'est lui qui prend la parole lors de la plénière de huis clos hier pour dire il y a des immoraux dans cette salle, vous donnez des informations à Perro Louara. Je pose une question simple au sénateur Mole Kaliambi. L'ancien forum WhatsApp du Sénat a été supprimé. Pourquoi? Parce que vous avez pris l'habitude d'envoyer des images pornographiques. Il dit qu'il est professeur d'université. Professeur, avec des images porno que vous avez scandalisé vos collègues. Il a envoyé des images pornographiques. Aujourd'hui, Carole Aguito est en train de l'utiliser. Il est recruté par Donabeja pour venir raconter des choses contre moi. Écrivez comme vous voulez. Les journalistes, bouffez de l'argent à Carole Aguito.
parce que je vois qu'il vous a recruté. J'ai vu des manchettes des journaux. J'ai vu, il vous a donné de l'argent. J'en ai vu aussi qui sont passés à la télévision pour m'insulter. Ne vous fatiguez pas. Je ne m'éteirai pas. Mes caméras sont chez Aguito. Aguito est dangereuse. Donabeja est en train de saigner les caisses du Sénat. Dans les jours qui arrivent, je prendrai point par point. J'ai le rapport financier. Point par point pour démontrer que Aguito est en train de saigner les caisses du Sénat. Bon, ça là-bas, plénière à huis clos. Bon, ça là-bas, déclaration, je m'en fous. Aujourd'hui, elle dit qu'elle est la fille de Denise Nyakero. C'est lobbying du côté de sa maman, c'est lobbying rwandais, l'ont aidé à entrer dans les précarés maintenant de la première dame. Naïena Fifi Masuka va commis ma fille à maman. Ce sont les filles de maman Denise. Maman Denise, ce sont les filles de Denise Nyakero. Le même discours, elle tenait ça quand maman Olive était encore là. Elle faisait les trafics d'influence. Non, je suis proche de maman Olive Lembe. Je suis proche de maman Olive Lembe. Aujourd'hui, elle a abandonné maman Olive Lembe. A commis ce que fille à Denise Nyakero Tshisekedi. Comme elle a quelques entrées dans les Sud Kivu, dans leur milieu de lobbying du Rwanda, puisque sa maman était rwandaise, maintenant elle est dans les précarés de la première dame. Elle veut maintenant intimider les gens en disant je viendrai dénoncer. Rien ne m'arrêtera. Attachez vos ceintures. Je vais venir mettre sur la place publique les actions des tripatouillages financiers qu'a Carole Aguito. Sénateur, réveillez-vous. Je sais que vous êtes nombreux. Vous êtes derrière moi. Vous êtes contents de ce que je fais. Vous me dites, Perrault, sauvez la chambre. La chambre est par terre. Carole Aguito est une menace contre les finances du Sénat. Dona Beja est une menace contre les finances du Sénat. Qu'elle continue à dépenser de l'argent, nous allons dire la vérité ou nous continuerons à dire la vérité. Voilà. J'ai déjà fait 1h25 minutes. Un peu plus d'ailleurs. Bon. Tout ceci, c'est mission. Ne vous en faites pas. Je vous retrouve lundi. On va revenir sur les aspects sécuritaires dans l'Est de l'Afrique. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous retrouver. J'ai fini mes examens. Je serai avec vous en attendant les résultats d'ailleurs. Je serai avec vous la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous et faites attention à tout. Que Dieu vous garde. N'oublions pas que le Congo est le seul bien commun que nous avons, nous tous. Notre responsabilité, notre rôle, c'est de la protéger. Surtout, d'éloigner le problème qui l'amène à l'abîme aujourd'hui. Et ce problème s'appelle Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous et à la prochaine. Je recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolet. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.